rien de mieux. Un peu de poing. Ah voilà. Il faudra quand même demander au Jarl pour la date du prochain raid. Ouais, ouais, on mange, mange, on est bien ici, regarde. Je vois pas, on le voit. Là, j'ai une petite corne. Hey, y a pas que ça qui tire. Ah, si. Il t'en va, il est où? Je sais pas. Il a fuité l'âme. Pas de l'âme qu'il a fuité. Voilà. Voilà. Jarl, as-tu décidé de la date pour le raid? Et alors? On part quand? On part quand? On part quand? On part quand? Tu vas te calmer, sinon tu vas la prendre! Ah oui, 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 oui! La gifle de Viking! Père, je veux embarquer avec toi. Tu es trop jeune, mon fils, pour un raid aussi dangereux. Retourne. Jarl, pourquoi partir? On a tout ici. C'est vrai? Il n'y a que des sauvages en Francie. Odin saura protéger les siens. Mais, Jarl, tu crois que Odin va me reconnaître? Odin a toujours protégé ses enfants. Même les plus limités, Yorick. Ça suffit! Pourquoi aller là-bas? Pourquoi? On doit y retrouver Ivar et son clan pour mener à bien son raid. Non, Jarl. Aucun navire en vue. Ce sont nos dieux qui nous guident. J'ai faim, moi. Tu penses vraiment qu'à ta panse, toi? Vivement que l'on retrouve Ivar. Quand est-ce qu'on arrive? On ne voit rien du tout. Allons, courage. On ne doit pas être courage. Avec cette brume, on l'a perdu de vue. Quelqu'un arrive à y voir? Non, Thorvald. Impossible de voir quoi que ce soit dans cette brouillasse. Et ce qui m'inquiète, il n'y a aucun bruit. Et si on l'attendait? D'ailleurs, je vais aller jeter l'ancre. Essaye de la toucher cette ancre. Mes frères, vous ne croyez pas que la guerre se passe à terre? Ça commence à chauffer ici. Astrid,
mon Jarl. Depuis que la brume est sur nous, les runes m'ont abandonné. Elles restent silencieuses, muettes. Je suis comme aveugle. De courir vite, car tu n'auras que lui pour te protéger. Guerrier, nos vivants y reviennent. Prenez ce que vous pouvez. On y va. Frode, tu as vu l'arche pour le feu? Oublie la cuisson, on a perdu nos silex pendant la bataille. Quoi? Et je vous préviens, si vous me faites becter ça tout cru, je jeûne. Elle a raison, nous sommes des vikings, pas des francs. Il n'y a que des bêtes sauvages, des animaux, pour manger de la viande crue. Enfin, les amis. Les amis. Il y a une solution! Laquelle? Demandons-lui de faire du feu! Je t'en prie. Vas-y, Yorick. Implore sa clémence. Mon bon Drakkar, toi qui nous as échoués sur cette terre nourricière, par Odin, avant que les ténèbres ne nous noient, demande à ta clémence de descendre ici-bas avec ses silex. C'est qui Clémence? Laisse, je t'expliquerai. Yorick, ça suffit. Allez, laisse faire Astrid. Je vois un avenir. Nous n'aurons plus besoin de feu. C'est quand? Demain ou dans 1000 ans? Ah, tu veux y croire maintenant, Thorvald?
Mais tu sais bien que mes runes n'ont pas cette précision. J'ai bien plus confiance en Yorick et sa clémence. L'avenir va rester lointain. Répète un peu voir, Rolf. Des trousseurs de cadavres. Tu joues à quoi, porteur? Il y aura plus à manger. Dommage que le feu ne soit toujours pas allumé. Ça suffit. Vous faites le déshonneur du clan. Depuis quand un viking a besoin de se chauffer, de s'éclairer, voire même de manger? Sommes-nous les seigneurs de cette terre infâme? Ou alors allons-nous nous y soumettre avec honte? Et un guerrier, ça peut dormir? Je crois qu'il ne reste plus que ça à faire. Et puis aujourd'hui a été une rude journée. Nous avons perdu bien des nôtres. Laissons les ténèbres nous envahir. Confions notre sort à Odin. On en aura bien besoin. Thorvald, les francs, les francs.